Notre technicien sataniste. Alors, encore un match-up de l'inconnu pour moi. Je pense quand même que ça va pas être très marrant pour Gen. Ah là, c'était les vrais combos. Hein. Gen le faisait pas mal ou Gen le faisait mal. Et voilà. On part ce target aérien qui a l'air complètement garanti depuis tout à l'heure, il passe sur tout le monde. Allez, premier round pour Gen, excusez-moi, je faisais une pause de commentaire parce qu'il y avait Salim, le propriétaire du respawn qui était en train de nous expliquer les trucs à côté. Allez donc. Eh bien joué, c'est 40, c'est pas fini, putain c'est ça. Allez, ça change de sponsor blessé. Oh, c'est quoi ce psycho-crusher avec des anti-airs, ça n'a pas de sens. Ça, ça fait très très mal par contre, le psycho-crusher, ça a généralement qu'il faut le dire, etc. Je vais dire. Et ouais, mais là par contre, d'ailleurs, du damage de but, ça va pas tuer. Hein. Il a mis quand même derrière beaucoup de lights. Ah, il l'a mis à 0 vital. Non, oh, je sais pas ce qu'il se barre, il se barre. Moi j'aurais bien vu un cross-up medium kick et après instant overhead medium kick. Mais non. Il a fait un Rio, c'est où? Et donc Doc qui s'offre relativement tranquillement ce premier match. Il y a un bruit à côté. Allez. Oh là là, putain, c'est ça. Ouais, 1000 mains à la relever. Ok, pourquoi pas. 1000 mains à reversal. Oh, c'est balayé dans le vent, c'est dangereux là. Il y avait carrément moyen de punir avec. Avec une sable. Ouais, si. Si je joue tout avec un. Avec un. Comment ça s'appelle, un. Avec une presse. Allez, bonne petite avance là pour Aldol là quand même, ça se passe bien mieux ce deuxième match. Ça rate les entières et là ça rate aussi les combos derrière. Ah non, les Yves, ça va pas du tout. Là, Doc fait un peu n'importe quoi dans ce round, c'est pas grave. Il a encore un match d'avance. Mais là. Il accuse un round de retard dans ce match là. Et ça fait les vrais combos. Et ça, il n'y a pas le Nip Press derrière, c'est dommage. Nip Press aurait pas fait énormément de dégâts, mais c'est plus pour la mise à terre et les mix-up en fait. Ça teste la garde un peu là. Et ça rate encore les combos, oh là là. Ça, c'est la phase classique, on a tellement vu que ça passe plus du tout maintenant. Ah, il y a quand même possibilité de comeback, hein, parce que Gen a de la barre, mais bon. Même avec un gros combo, il lui fera quoi? Dans le meilleur des cas, 60% de barre. Non, voilà, c'est, ça me paraît presque impossible de revenir. Allez, bien joué, grattage. Une touche. Mais il presse, peu importe, ça revient en même. Ça a touché, je pense qu'il a dû essayer de sauter ou taper Doc, peu importe. Et donc un partout. Allez, target bien gardé ce coup-ci. Au bout d'un moment, le mokuminisme s'arrête. Au bout de la 40e fois où c'est passé, les gens finissent par mettre leur garde. Je sais pas ce que c'était que ce coup de Juggle Star. Je crois que c'était un saut soit HK. En soit HK Crane. Ouais, avant HK Crane. Expio crochet entière. Alors là, pour l'instant, Aldol est assez intraitable dans ce round. Elle est beaucoup plus prudente. Il cherche bien à mettre sa garde. Et là ça fait du doigté un peu. Mais bon, là franchement pour Gen je vois pas trop comment il va pouvoir revenir. Un retard assez important. Ça fait des décalages shop, évité par un saut vertical. Voilà, je suis sûr qu'il y avait moyen de juggle quelque chose derrière ce flash. Alors là c'est pareil, il y avait Ultra 2 en punition de ce Devil Rivers dans ce coin. Là par contre la super est chargée, ça peut tout changer. Hein. Sur une ouverture, la garde est bonne.
Putain, c'est de la full camp là. Et ça va tuer. Et ouais, l'ultra. Bien joué, Doc. Putain, dommage pour Aldol, hein. Elle a fait un très très bon round, mais elle était un tout petit peu présomptueuse sur ce head press à la fin et ça lui a tout coûté, tout gâché, je veux dire. Bon, après, voilà, le Doc a été obligé au moins de vider sa barre, c'est toujours ça de pris, hein. Parce qu'il y a un gain, on est content quand il a plus sa super. Beau cross-up trouvé, ça. Et il y a pas de target derrière le HP. Il y a pas le mid-kick, je veux dire, donc du coup, pas de dragon. Ça, c'est pas safe du tout, ça. Et c'est puni par 3 balai kick et un press. Et voilà, et juggle. Ah, juggle balayette. Il a pas mis de dragon, il préfère le mix-up. Qu'est-ce qu'il va faire? Un bon cross-up, de toute façon, quand t'es perso à la charge, il faut toujours faire des cross-up. Ça, c'est pas très très safe, il me semble, hein, ce machin-là. Enfin, en tout cas, c'est pas positif, ça, c'est sûr. Et allez, mise à terre, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, par contre, là, putain, c'est très très mal engagé pour Aldol. Et ça va tuer, ça devrait tuer. Voilà, avec le dernier hit. Bien joué! 2-1 pour Doc. Ah oui, je croyais que c'était en 2, mais en fait, c'est en 3. En 3 matchs gagnants, donc c'est pas encore fini. C'est en 3. Allez, Aldol peut encore revenir. Voilà, là ça fait des combos. Plusieurs lights. Putain, vraiment le dragon enlève plus rien sur la fin. De toute façon, il sert limite plus juste à charger la barre de super du gain. Enfin, là pareil, ça part mal. La garde est bonne, hein, par contre. Hein. Là, ça a tenté des overheads un peu. Ça fait un peu quand même du triple overhead. Hein. Saut target plus overhead derrière. Mais la garde a tenu. Aldol a quand même un retard assez monstrueux. Qu'est-ce qu'il va faire? Dommage, pas confirmé ce saut vide cross-up balai kick. Ah là là, ultra direct là quand tu vois ça là. Dragon dans le vent, ultra, mais les gars, sérieusement, joue un peu à des jeux old school où quand un mec met un dragon, tu mets direct une furie en punition. Je pense que ça pourrait vous servir pour Street 4, pour arrêter de tergiverser et faire des petites punitions merdiques comme ça là. Bah ouais, mais c'est quand même dommage quoi. Un dragon dans le vent, rien à foutre que le mec il retape. Si tu mets une ultra, dans tous les cas tu le défonces. Allez, ça par contre là, une belle possibilité de comeback. Et bien joué, ça juggle. Allez, ça juggle. Et ça c'est juste pour se barrer. Ah non, ça touche. Oh là là. Ah là là. C'est cruel hein, pour Aldol. Putain, on avait l'impression qu'il était derrière. Putain, ça fait deux fois qu'elle se prend des furets à la relevée comme ça dans des rounds qu'elle a quasiment gagné. Un vrai cambrioleur ce Doc là quand même hein, dans ces matchs là. Allez, et ça fait la phase, putain. C'est quand même dangereux. Enfin non, quoi que c'est pas très dangereux en fait finalement. Contre un gain qui a pas de furie, qu'est-ce qu'on risque? Ah, ça, y a pas eu counter du coup, la balette c'est un combo. Derrière ce MP. Allez, et ça fait encore des trucs pas confirmés. Oh là là, fait des coups bizarres. Je crois que c'est un MK de loin, comme ça. Allez, là super rempli. Maintenant, gain peut faire mal. Ça, à mon avis, c'est un choupitou raté. Ouais. Allez, le choupitou. Ça rate les combos, dommage. Oh là là. Bien joué. Allez, encore une possibilité pour Aldol de se sauver, puisqu'il y a quand même une balle de match pour Doc. Ah, il y a la super. Démarre le round en mode crane. Utilise la technique planche à pain. Là, s'il était en mantis, il aurait pu confirmer par les mille mains et mettre la super. Dommage. Oh là là, ça rate. Là, ça presse. Oh, c'est quoi ces dragons bourrés? Mais en plus, ce dragon de gain, c'est de la merde. À quoi ça sert de le bourrer? Mille mains bourrées. Oh là là, il y a les confirmes. Oh là là. On pourrait mettre le son. Putain, là, c'est vrai qu'on a un tournoi de Bomberman. Enfin, on pourrait baisser un peu le son parce que putain, ça va pas prendre la tête aux joueurs. Allez, Aldol, c'est le moment de revenir. Et bien joué, double touche sur la relevée. Bravo, Aldol, de partout. Match final de cette final winner qui va plus ou moins jusqu'au bout du suspense. Tu peux leur dire, Warner, s'il te plaît.
Allez, overhead trouvé, putain ça presse, ça presse. Dommage quand même que Street Cat ne possède pas de barre de garde, parce que alors là le Gen aurait été en position plus que favorable avec ça. Allez, Farage K. Allez, Dragon X, espèce de coup étrange. Voilà, Dragon X à la relever, c'est la flex. On dirait TKR qui fait des contres. Allez, bonne avance pour Doc là dans cette fin de round. Arrête de faire des choupitous, tu vas prendre une ultra. Et ça confirme pas, ça confirme pas. Par contre, la garde est bonne côté Doc. Et voilà, bien joué. Après le Nipress, EX Psycho Crusher en punition. Hein. Qui rattrape un. Genre un Stanley Punch ou Light Kick que Gen a fait, j'ai pas très bien vu. Et donc balle de match pour Aldol hein, qui revient de loin. La roll en garde, la crystal roll de Claw là. Putain, ça bourre beaucoup de mille mains à la relever, c'est bizarre hein. Je sais pas si c'est un reversal très intéressant. Je pense pas. Et donc là Doc qui est en retard hein, qui doit douter un petit peu. Bon, il a un petit peu de barre de support, là il essaie de la charger d'ailleurs en faisant les dragons. Faut quand même faire gaffe parce que bon. Il va se prendre des dictateurs, c'est quand même pas le plus mauvais perso du jeu pour punir des trucs en whiff de loin. Bon, ça fait le coup bizarre et ça marche pas sur le seul HP de complètement rater les combos. Putain, Aldol là, c'est pas le moment de craquer là. Par contre, l'avance est bonne quand même. Hein. Et entre temps, le Gen a pu charger sa barre. Et voilà, HK dans l'overhead. Nipress, voilà, là c'est mort pour Doc. Et bien joué, frame trap. Stand LK, stand HP. Et donc, on a Aldol qui se qualifie pour la grande finale de ce tournoi. Grosse perf, hein. C'est pas fixe. Allez, salut. Merci de ton aide aujourd'hui.